Hello, c'est Wenner. Bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va continuer à notre immersion. C'est qu'on s'est arrêté. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. On est reparti, hein. Ah, je sais pas pourquoi des fois. Oh, panique le mec, hein. Ah ok, et si toi pour voir ça, prière. Bon, apparemment il faudrait quand même voilà. Suivre. J'avais fait gaffe qu'il y avait des roses ici, mais bon. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Ben, c'est sympa à toi de les tuer, hein. Au début, je le prenais pour un ennemi, mais peut-être pas au final. En façon, on verra très très vite ce que ça va donner. Ben, merci mon poteau. Hein. Propulsion infinie activée. Ok. Ah ouais, il y a des gardes en bas qui arrivent là. Ah ouais, je peux lancer une fumée, une fusée. Eh, hey, même pas. Ça va être la descente de l'enfer, je crois. Je pense qu'il va falloir vraiment éviter. Oh, je me rapproche près de... Oh yeah! Oh yo, ça va être coton. Ça va être compliqué, je crois, là. Si j'avais avance pas assez vite, je me fais friser. Je pense qu'il faut vraiment pas se faire repérer par genre de. Je sais pas, hein. Franchement, j'avance à l'aveuglette, hein. Oh, sérieux? Y a rien ici. Bon ben, j'ai pas pris le bon chemin encore.
Toi, je t'ai croisé tout à l'heure. Bon, c'est quoi le délire là? Quand même! Je prends pas le bon chemin ou quoi? Je sais bien mon pote, faut que j'aille tout droit, mais ça fait déjà 3 fois que je recommence et... Même avec les fusées, personne n'y voit pas grand chose. Donc, est-ce que je prends le bon chemin? C'est depuis tout à l'heure là. J'avoue que mourir 3 fois de suite, ça m'énerve un peu. Mais je fais aussi vite que je peux, mon pote, hein. Oh, j'aurais pas dû faire. Accélère, mon pote. D'oxygène, toi. Donne-moi ça un petit peu là. Sérieux? Oh shit! Donc, mais. J'aime pas quand tu fais ça, mon pote, hein! If you're just joining us, my guest is Kip Mattis, sole survivor of the Oceanova disaster. His first book, Hell or High Water, is a harrowing account of his ordeal. Earlier, we talked about the life aquatic, escaping the flooded habitat, and being lost on the seafloor inside a half-ton titanium diving suit. Et donc on doit maintenant accéder au module d'évacuation. C'est le problème, c'est que... Ouais. Module d'évacuation. Va falloir le retrouver. Je me demande. C'était cool, tout à l'heure on pouvait avancer à l'infini et là on peut plus. Ah, bien dommage. Module d'évacuation. Eh ben, évacuation. P00.
pas changé de... Pourquoi on serait revenu là alors? Kip, I know this might not be easy, but I'd like to talk about the end. Can you read that for us? Yeah. The list is getting shorter. The hatch opens with its usual reluctance, flooding the room with light. The pod is there. I'm going home. Tomorrow, I'll be the sole survivor. But for now, I'm not alone. Ok, mais je vais voir que t'as rangé ton couteau, mon pote, hein. On a plus de couteau. Ça, c'est pas cool. How did you feel when you figured it out? At that point, and that close, I was running on fear. So when I saw another suit in the room, it's almost too much to process. I couldn't believe that it was... Virgil, mating, just like me. How did you get it? I thought everyone was... Only I'm locked inside the pod, and he's locked out. Can you hear me? I can't stop the launch. There's no override. He's not coming back. Oh, God. I'm sorry. And that's on me. Hey, what the fuck is he spell? Je peux pas l'aider, lui. So are you saying that if you did something differently, that Virgil would have lived? That's right. Y'a pas un truc à faire là, Titch. Until I saw it. Pas sérieux. Fear in his eyes. I thought I was the only one. Rien. It was a bad call. This can't be happening. T'es sérieux, tu vas pas... Oh, I'm sorry. Et non, quoi. Il s'est barré sans moi, l'enfoiré. Eh ouais, ouvrir la porte, mais y'a plus de capsule, mon... Bon, bah, quoi, faut y aller, faut y aller. You didn't kill him. Really? Who did? Bad luck? I'm responsible. Look, I'm up here talking with you. He's still out there. Mais pas si j'ai des roses en plein. Mais il faut encore que je te suive. Bon bah. Je peux pas lancer de fusée. En gros, je peux rien faire. Je pense qu'on doit approcher de la fin. C'est obligatoire. Depuis le temps. Et dire que j'ai cru que c'était mon ennemi, lui, mais au final, voilà quoi. Et il est là pour aider. Pour ouvrir le chemin. Eh ben voilà. Non, c'est pas la fin quand même. Eh si. Eh bien voilà. Je vous remercie hein, d'avoir regardé. Pour ceux qui ont regardé le jeu. J'espère que vous allez galérer un peu moins que moi parce que j'ai recommencé plusieurs fois. Certains passages, c'était vraiment compliqué. Enfin, pour moi, c'était un peu compliqué. Hein. J'ai vraiment adoré ce jeu, jouer dans des abîmes comme ça avec des graphismes aussi beaux. Je pensais pas pour un petit jeu comme ça, je m'y attendais pas du tout. Et franchement, j'apprécie quoi. Et on avance toujours, hein, pourtant, je sais pas où il nous emmène. Mais de toute façon, je vais vous laisser voir la fin, hein, jusqu'au bout.
cas, ce jeu m'a fait vraiment très très plaisir. Y a pas à dire. Je me suis vraiment éclaté à jouer sur ce jeu. Mais je m'attendais pas du tout à une fin vraiment comme ça, quoi. Je pensais qu'on en serait ressorti à la surface et au final, je crois qu'on va finir par errer au fin fond de l'océan avec lui. Et le pote Virgile s'en est sorti en tout cas. Donc voilà, l'intrigue est résolue. Kip, it's been more than a year since all this happened. You wrote a book and told your story. Are you ready to be done? Yeah, yeah. It's time to move on. Get myself working again. Kip Mattis, thank you so much for spending time with me today. Thanks for having me, Emily. Opener débloqué. Donc voilà. En tout cas, c'était vraiment sympa ce jeu. Je trouve ça dommage juste un petit peu la fin quand même. Ouh, il y a peut-être, vous voyez, opener. Débloqué. Donc on va essayer quand même juste pour voir si c'était vraiment la fin finale ou une alternative. Non, on se retrouve bel et bien ici. Vous voyez, il faut retrouver le module d'évacuation donc. Welcome voilà. To Open Air. I'm Emily Kaler. If you're just joining us, my guest is Kip Mattis, sole survivor of the Oceanova disaster. His first book, Hell or High Water, is a harrowing account of his ordeal. Earlier, we talked about the life aquatic, escaping the flooded habitat, and being lost on the seafloor inside a half-ton titanium diving suit. Alors, je suis étonné que... Bon, on va essayer, hein. Je suis étonné qu'il y aura une double fin. Mais pourquoi pas? Kip, I know this might not be easy, but I'd like to talk about the end. Ah... The list is getting shorter. The hatch opens with its usual reluctance, flooding the room with light. The pod is there. I'm going home. Tomorrow I'll be the sole survivor. But for now, I'm not alone. How did you feel when you figured it out? At that point, and that close, I was running on fear. So when I saw another suit in the room, it's almost too much to process. I couldn't believe that it was... Virgil? Is that you? Virgil? Made it. Just like me. How did you get it? I thought everyone was... Only I'm locked inside the pod, and he's locked out. Can you hear me? Can't stop the launch. There's no override. He's not coming back. Oh God, I'm sorry. And that's on me. So are you saying that if you did something differently, that Virgil would have lived? That's right. Until I saw him, fear in his eyes. I thought I
was the only one. It was a bad call. This can't be happening. Didn't kill him. Really? Who did? Bad luck? I'm responsible. Look, I'm up here talking with you. And he's still out there. Pas sûr que ça change vraiment grand chose là que j'ai refait, voilà, donc ça s'arrête bien ici et donc je vous dis à plus tard, à bientôt tout le monde et merci de tout.